tympanoplastie avec ostéoculoplastie. Vous voyez ici l'étrier qui bouge bien. Voilà, l'étrier qui bouge. Mais il n'y a pas de contact avec le tympan. Il faut donc fraiser l'enclume du patient qui a été resséqué parce qu'elle a été en partie érodée. Et nous la remettons dans une autre position. Ici, une petite encoche pour venir se déposer sur l'étrier. Voilà. Donc, l'enclume est posée sur l'étrier, en dessous et en avant, sur le manche du marteau, pour avoir un meilleur soutien et permettre la transmission du son entre le marteau et l'étrier. Voilà. Et ici, la corde du tympan, qui est un petit nerf, est placée sur le montage pour bien maintenir l'enclume en bonne position. Contrôle de la mobilité. Colle biologique. Et alors, le tympan est replacé en bonne position. Colle biologique. Au fond, vous voyez le tympan et sa greffe. Mise en place d'un petit plastique de protection qui sera ôté lors de la deuxième consultation. Et le tout est maintenu grâce à des pansements qui sont imbibés de pommades antibiotiques. Ceux-ci sont resséqués lors de la première consultation, après une semaine. Ce qui explique pourquoi au début le patient n'entend pas bien.